Bonjour. Donc, comme vous avez pu le voir, avant de remonter la culasse, il y a toute une préparation de nettoyage, donc nettoyage du bloc et nettoyage de la culasse. Et aussi nettoyage de tous les trous de vis. Donc avec une vieille vis, il faut absolument tout nettoyer les trous parce que sinon quand on revisse les nouvelles vis, il peut y avoir de l'eau ou de l'huile qui remonte et ça peut déjà dégrader le nouveau joint de culasse. Voilà, donc là on est prêt à poser le nouveau joint. Alors, il y a des personnes qui rajoutent de la pâte à joint à certains endroits, je ne vois pas l'intérêt puisque c'est prévu de toute façon que ce soit monté comme ça. Voilà. Donc, faut pas se tromper de sens. Voilà. Donc sur le moteur là, on a le repère du pour l'huile ici. Donc là, on ne peut pas se tromper. Voilà. Parce que si on le retourne dans tous les sens, après, ça ne va plus. Donc il n'y a que dans le sens là qui peut se mettre. Voilà. Et puis là, bah, on peut présenter la culasse. Pas bon là, quoi. Bon, et chaque fois que tu filmes pas, ça va bien. Elle est bien en place. Donc là maintenant il faut remettre la rampe des culbuteurs. Donc là on a un des trompeurs là et un des trompeurs là. Donc on peut pas inverser, on peut pas se tromper de sens.
compris. Là, la rampe, elle est bien mise en place. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre les vis. Donc des vis neuves à chaque fois. Et donc sur toutes les vis, je vais... Quel bordel déjà, hein? Voilà, je prends un peu d'huile. J'en mets un peu sur le filet. Et un peu sous la tête. Voilà, je mets ma vis. Pourquoi qu'il faut mettre un peu d'huile? C'est pour faciliter en fait le serrage pour que. Parce que vu qu'on doit les serrer à une certaine force, si déjà en fait la vis elle a la force du frottement de la ferraille, et ben en fait ce sera pas assez serré. Comme ça on aura la bonne force. C'est comme un roulement, s'il tourne. Un roulement qui n'est pas graissé, il aura du mal à tourner. On le graisse, il tourne mieux. Voilà, mais c'est juste un peu, hein, c'est pas. Donc là, les vis, on peut les approcher. Avec une visseuse ou n'importe quoi. Déjà faire prendre un tour pour être sûr d'être bien dans le plat de vis et de pas croiser les filets. Voilà. Puis là on les approche, mais il faut pas que ça serre. Maintenant, on prend la clé dynamométrique et là, on peut commencer à faire un escargot. Voilà, donc on serre à 20 newtons. Donc là, on voit que j'avais encore pas assez serré. Mais si une vis est trop serrée, il faut la desserrer pour être sûr de la serrer à 20 newtons.
Maintenant, il n'y a pas le choix, il faut prendre un capteur d'angle. Et on voit que le dernier serrage que j'ai fait, il était à 120 degrés. Donc là, maintenant, il va falloir faire deux passes. Deux passes à 100. Donc là, il faut faire deux passes à 120 degrés. Donc là, je me suis mis dans ma vis. Là, maintenant, en fait, il faut que le petit bout en ferraille, là, il vienne se coincer quelque part. Donc, on tourne le cadran, là. Voilà. Là, il s'est coincé là. Donc, quand je vais serrer, eh ben, tout de suite, mon capteur, il va commencer à... Mais là, d'abord, il faut que je me remette à zéro. Donc, je tourne mon cadran jusqu'à zéro. Alors, je pourrais tourner dans l'autre sens, mais si je tourne dans l'autre sens, je réécarte la barre en ferraille. Donc, en fait, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et ça marche très bien. Donc, voilà, je suis à zéro. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je serre jusqu'à ce que l'aiguille aille à 120. Voilà. Donc, la vis-là, elle serre à 120. Non, c'est bon. Aller là, chercher une petite rallonge où je démonte. Fais pause. On va aller encore. Si. J'enlève les bobines. Voilà, on les remettra après. Voilà, comme ça j'ai plus de place pour serrer. Voilà, là je suis dans mon empreinte. Là c'est bon, je suis en appui. Donc là je remets à zéro. Voilà, et je peux repartir à 120 degrés. Voilà, 120. Ensuite, là, ma barre elle est bloquée. Je remets à zéro. Donc là, je tourne voilà, jusqu'à ce que la barre elle bloque à quelque part. Je me mets à zéro. Et je remets les 120 degrés. Voilà. J'ai fait celle-là ou pas? Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, j'ai fait? Oui. Attends, je vais quand même essayer de prendre une petite rallonge parce que... Ou la grande. J'en ai marre de taper dans le... Ah là là.
je suis dedans. Je viens mettre mon capteur en butée. Et je remets à zéro. Voilà. Voilà, ça rentre. Pas serré celle-là. Pourquoi elle est pas serré? Bah, j'avais pas fait. Il semble pas. Quoi? Il me semble pas. Là, tu vois, hein. Bizarre ça. C'est là non plus. Non, mais en fait, à mon avis, c'était bon. Enfin, bref. Là c'est faux. Vu que j'ai commencé à mettre 120 sur les autres, là. Ah là là. J'ai pas ça. Ah, c'est une connerie. Bon, bref. Là c'est des vis. Allez, 120 degrés. Voilà. Il reste les deux là, c'est ça? Oui. Donc là, on a fait une passe à 120. Il faut refaire encore une passe à 120 pour arriver à un total de 240. On va mettre une petite pause, hein, non? Quand on prend mal au dos, on va tirer là. Allez, 0. Ah, c'est déjà plus dur. Je vais peut-être venir en forçant de ton côté. Ouais. Je suis désolé si je suis en bas. Mais... Je suis pas exprès, c'est pas facile. Ah putain. 120. Voilà.
Sombre. Sport. Ah, il me faudra au moins 3 semaines d'arrêt de maladie après ça. T'es en vacances 3 semaines, c'est bon. Ah, c'est pas bon, ça faut faire une fois. Pour la muscu du dimanche matin, c'est bon ça. Zéro. Ça va. Bien là, voilà. Ça va. Qu'une, hein. Oui. On a tout fait. Oui. Voilà, ça va. Bon, bah, petite pause. Bah oui. Et ça j'aurais dû le faire avant déjà. Même pendant ma petite pause, j'arrive à m'occuper. Voilà, donc c'est un joint de culasse qui aura coûté pour moi à faire, vu que. Je fais ça par passion, bah du coup, je compte pas mes heures. Donc vu que j'ai juste compté ce que ça m'a coûté, bah, le joint de culasse était à 15, les vis étaient à 20, pour 35 euros, la voiture elle est réparée. Donc c'est quand même... Puis bon, c'est pas compliqué à faire. Faut juste être un petit peu passionné, minutieux, et puis... À faire attention à ce qu'on fait. Et comment l'a dit le voisin là en partant ? C'est pas de la mécanique à 2 balles, ça. Oui. C'est plaisir. Hein. On aurait dû le nettoyer tout de suite, ça. Bon.
Donc là, maintenant, on va remonter quoi? La courroie. La distrie. Ouais. Et donc, il y a plus de chances de se tromper en remontant la distrie qu'en serrant la culasse. La culasse, il suffit de serrer. Là, il faut être juste. Je n'ai pas démonté la roue, je n'ai pas anticipé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met sur pause le temps de se préparer, quoi. Oui. Donc, ce moteur a été changé et j'aime bien quand un moteur a été changé, chercher qu'est-ce que les gens qui ont changé le moteur auraient pu mal faire ou oublier. Et puis, je me suis aperçu, donc là, bah, j'aurais dû le mettre avant de, faire de remonter la culasse, mais je me suis aperçu qu'il manque un écrou entre le moteur et la boîte, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais le mettre. Mais voilà. Donc là, ils ont bien remis la vis, là. Là. Voilà. Et là, il y a une petite chuiletée qui sort, et dessus, il y a un écrou. Ben là, il n'y était pas, l'écrou. Bon, je n'ai pas pris la bonne douille. Si. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas. Ça va pas aller avec la turite. Pourquoi ça me pour... mais voilà. C'est combien le couple là? Newton. Voilà. Il tombe le moteur. Il y a le cric en dessous. Oui, mais j'ai levé l'auto. Voilà, donc il manquait un écrou. Alors, ma barre elle est où? J'ai dû la rentrer. Il est un peu bas là le moteur. Hein. Voilà, donc là maintenant on va remonter la distrie. Donc ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Ça paraît simple et pourtant c'est très compliqué. Donc faut pas se tromper parce que. Tu filmes quoi là? Si on se trompe, ça sera pas bon. Si on est décalé, le moteur pourra tourner, mais pas bien. Ouais, là, je suis bon. Là en bas, je suis bien. Alors, c'est sûr, ça va paraître simple quand je le fais, mais c'est une question d'habitude. Il faut que je remette le tendeur. Je remets l'écrou. On ne sert pas. C'est juste pour pas qu'il s'en aille. Voilà. Donc là maintenant, ma courroie en bas elle était bonne.
Là, est-ce que par rapport à mes repères, je suis bon? Non, mais je vais me parler. Si je regarde pas si l'arbre à cam il est bien. Nickel. Sur la pompe à eau. Je sais pas. Est-ce que tu arrives avec un doigt à appuyer là? Voilà, bouge pas. A pas bougé? Non. Je suis pas sûr, donc là je dis attends, bouge pas. Bon, tu peux lâcher. Donc là maintenant, il faut l'attendre. La laine. Phrase. On peut mettre sur pause. En dessous. Oh bah non. Après, mettre une flèche dans l'autre sens. Bon, faut que j'aille chercher. Peut mettre sur pause. Là maintenant qu'on a refait la tension, on tourne. Donc on tourne plusieurs tours. Et déjà, s'il n'y a rien qui.
S'il n'y a pas de point dur, qu'il n'y a rien qui touche, déjà, c'est qu'on ne prend pas de risque de casser le moteur ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, ça tourne bien. On entend la compression. Voilà, donc là, je suis sûr, avec tous les tours que je viens de faire là, je suis sûr qu'il n'y a rien qui... Donc je remets. Au point mort. Et là, normalement... Non, ben là, je suis pas... Faut que je fasse un demi-tour. Demi-tour. Attends. Tu vois le trou dans le... Est-ce que là, il serait à peu près en face? Oui. Alors, j'essaye. Donc là, je suis dedans. Donc là, je suis bon. Elle est bien calée. Voilà. La tension. Voilà. Elle est bonne. Donc là, on peut remettre l'allumage. On peut brancher. Pas tout en fait. Hein. L'arrivée d'essence. Voilà. La dépression pour les freins. Je vois rien. Quand ça c'est, je vois pas. Ah, c'est là. Voilà, dépression des freins, c'est mis. La prise des injecteurs. Voilà, injecteur rebranché. Ça, pour l'instant, on s'en fout. On reprend notre faisceau électrique qu'on avait mis de côté. Pour les bobines, le débitmètre. Je crois que c'est une sonde de pression, ça, et ça, je sais pas. Là, normalement, bon, j'ai pas mis les sondes de température, j'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis d'échappement, ça va faire un peu de bruit. Mais on devrait pouvoir essayer de démarrer. J'essaye. S'il y a un problème, tu cries. Hein. Je n'aime pas la clé. Est-ce qu'elle est dans la voiture ou sur la table? Je crois qu'elle est dans la voiture, je crois. Bon. Va faire du bruit. J'espère que j'ai rien oublié. Il y a un truc qui sort là. Ah bon? Là. Bon, à fou. Pourquoi le ventile déjà? Ça sort là. De l'eau? Là, j'ai pas eu C'est de l'eau? trop. Ah si, c'est de l'eau. Bah, comment ça se fait pourtant, c'était sec? Ouais. Personne.
Ouais, pas démarré. L'allumage, c'est bon. Ah ouais, mais l'arrivée d'essence, elle s'était. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire tout seul, moi. C'était quoi? Je sais pas. Ah, ça part en couille, hein. Non mais là, elle ventile, mais c'est normal, elle fait chier. J'ai pas remis les sondes de... De température. Ouais, mais il y en a une que je pourrais pas remettre parce que... Bah, tu me diras si je peux, je peux tout de suite... Je peux déjà remettre le calorseur. Ça vient là, et ça viendra comme ça. On va essayer, je vais remettre le calorseur. T'as rebranché la batterie? Ah bah non, Si j'ai débranché là, je crois, non? il me semble. Oui. Alors, les vis. Les deux là. Ah, tu vois, s'il y a de l'eau qui sort par l'échappement, bah, du coup, il n'y a pas un indicateur de refroidissement, c'est bon. Les cylindres sont automatiquement refroidis. Par l'eau dans les pistons. On mais comment c'est qu'il y a de l'eau dans les pistons là? Bah, je sais pas. On vient de tout remonter, tout était vide, Bah tout non. était sec. Ah, c'est peut-être dans la culasse qui restait, comme je passe à l'ultrason. Ouais, Peut-être que. peut-être. Ça va parler. Oh, t'as mis sur pause? Ça va pas non plus. Oh l'échec, je te jure. Y a rien qui va. Bah, j'aurais dû prendre le cliquet en fait. Bon, c'est là. Je vais aller chercher le petit cliquet. Parce que si je ne resserre pas à fond maintenant, je ne resserrerai jamais. Ça, c'est le genre de choses que je vais oublier. Sûr. Ça, on est toujours tenté à serrer fort, mais on serre sur du plastique donc voilà, faut pas serrer trop fort non plus. Bon, je vais reconnecter la sonde. Il manque un cache autour du ventilo. Et ça, c'est pas. J'en trouve un à la casse ou je sais pas quoi. Bon, voilà, donc là, elle est censée pouvoir démarrer. Parce que là, en fait, c'est la rampe d'essence qui s'est vidée. Hein? Je peux remettre comme ça.
Bon, je réessaye. Il bougeait pas trop comme ça le moteur? Non. Parce que là, il n'y a pas de support moteur et rien. Tu rebranches pas la batterie? Ben, si. Bon, de toute façon, elle est en contact. Ben non. Le ventilo devrait déjà plus s'allumer. C'est un échec. Tu sors? Première fois que ça m'arrive, ça. Tout paraissait normal? Bah oui. Mais Christophe. Copain. Normal. Ah, c'est mieux. Ouais. Je pense que voilà, c'était juste le temps que. Bah, c'est bien, l'huile a monté là. Toi, là, c'est rempli d'huile. Ouais. Ça a dû bien gicler partout. Bah oui, il y en a partout. Ah bah oui. Mais c'est bien, mais j'aime bien faire tourner comme ça, moi. Donc voilà. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à monter support moteur, tout ça, machin. Et je pense que. Bah, remonter l'échappement, parce que là, c'était un peu bruyant, du coup. Ouais. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et puis voilà, bah, je vais finir de remonter tout ça hors caméra. Et puis, j'aurais plus qu'à prendre rendez-vous pour la passer à l'antipollution, au contrôle. Et puis là, c'est une affaire qui roule. Voilà, à plus. Voilà, bah, tout est remonté et ça tourne très bien. Voilà. Plus que le filtre air à monter. Mais j'attends d'avoir fini de tout purger correctement pour mettre le filtre à air parce que sinon on n'a pas accès à la vis. Là. La vis en laiton qui est une vis de purge et une fois que le filtre à air est devant, il n'y a plus accès. Voilà. Ça tourne bien, bah, ça fume un peu parce qu'il y a eu de l'huile sur la tubulure d'échappement. Mais sinon, très bien. Voilà. Bon, bah, allez, à plus, abonnez-vous.